Bonjour à tous, ici Demon et on se retrouve pour un nouveau freestyle. Et cette fois, ce n'est plus du 1v1, ce n'est plus BO3 entre moi et mon ami Kundera. On est revenu à la configuration classique, c'est-à-dire du 2v2. Et nous avons ici Master Win, qu'on va appeler Master, qui est Zerg rouge en bas à droite sur Gorge de Feu, il me semble. Et qui est allié avec son ami Général, donc Général et Master, donc des mecs qui ont l'air plutôt balèzes, hein, plutôt stratèges et tout ça, qui est Terran bleu en haut à droite. Et bon, bah l'équipe du bas de gauche, vous la connaissez. Moi, Demon, qui suis en Protoss ici, donc plutôt freestyle, puisque vous savez que ma race de prédilection, quand même, c'est Terran, et après Zerg, et en dernier Protoss. Et on a Kundera qui est en Zerg, alors que sa race de prédilection, c'est Protoss, et ensuite Protoss. Et donc il a fait un extracteur trick néanmoins, chose notable, hein, et son Overlord alors, qui sort, voilà, qui va être envoyé ici pour couvrir une fa éventuelle fast expand. Bon, donc là ça se pose, donc c'est parti, un pylône de ma part, ici un Overlord, ici certainement un supply, voilà un supply magnifique, tout à fait remarquable, une baraque, le gaz un peu tôt hein, quand même, la baraque aussi, il était à 11. Ici la poule à 13, donc classique. De la part de Kundera, c'est également une poule à 13, mais sans gaz. Bon, ça, c'est un peu moins classique. Il va certainement être en déche de gaz. Moi, le portail à 12. Le gaz à 13 ou 14. Non, 14. Bon, donc ça commence bien. Donc on s'en va un peu du. On quitte un peu le BO3 qui était plutôt tendu entre moi et Kundera. J'espère que ça vous a plu. Là, on retourne à quelque chose de classique. Un freestyle à l'ancienne. Est-ce qu'on avait déjà eu un freestyle sur cette carte? Je crois pas. Je cherche dans mes souvenirs. Non, il ne me semble pas. Ici, on a le portail. Ici, on a le pylône. Et on a un deuxième gaz. Très bien. Alors, donc là, un gaz, un bassin génétique. Ici, le contrôle de Xel'Naga. Bon, un début classique. Et la fast expand de Master. Ici, Kundera qui n'a pas pris fast expand. Donc, c'est un choix qu'il a fait en son âme et conscience. La station orbitale qui est créée. Le centre technique. Centre technique. Que va-t-il faire avec ce centre technique? Très bien, un VCS ici, coincé entre les deux. Donc, je ne sais pas sur quoi ils vont partir en face. Il a l'air de faire des Marines. Bon, on remarque que c'est le premier Marines, hein. Donc c'est normal. Il est sorti du mauvais côté avec un Zerg. Vaut mieux le mettre le Marines à l'intérieur. Parce que là, surtout qu'il est en train de rechercher Speedling. Donc s'il part avec des Glings, ah, et la chambre d'évolution. Donc lui aussi il a envie de faire des améliorations rapides. On va avoir l'usine qui va être posée par Général. Moi j'ai mon cyber qui sort. On va certainement envoyer le Warp Gate. Qu'on va chrono. Voilà, ici on a des Zerglings qui viennent sécuriser la fast expand. On n'a pas le... voilà, là il va pouvoir lancer le boost métabolique. Non, non, il veut pas, il veut pas. Voilà, non. Ah bah il veut pas. Bon, donc il a pas fait d'injection non plus là, sa queen qui commence à avoir 29 d'énergie. Oh, mais je veux faire une injection moi! Pendant ce temps-là, chez Kundera, les injections sont faites. Vous voyez que cette queen a 24 d'énergie et qu'elle arrive. Ah non, c'est celle-là qui va faire une injection. Donc elle va certainement faire une cryptumeur. Et le plus 1 qui est recherché directement par Kundera. Bon, pour le moment, c'est quelque chose de classique. Voilà, il part sur une tumeur. Et là on va avoir fast expand de ma part, donc un one gate expand avec des sentry. Alors c'est pas classique classique, mais bon ça se rencontre pas mal quand même. Les chrono boosts qui sont en train de s'accumuler ici sur ce Nexus, mais bon on va faire comme si de rien n'était. Ici on a l'usine qui recherche le siege tank. Ici on a une deuxième usine, un centre de commandement. Donc là il va se poser en mode turtle pour prendre son expand. Donc plutôt classique également. Ici on a posé un spine crawler, on a un roach, il a tech et roach. Voilà, terrier de cafard, on a deux queens, on a des zerglings ici. Est-ce qu'on a le Bataroach de la part de Kundera? Non, il va partir a priori sur du zergling. À moins qu'il se réserve pour une technique plus. Pour des unités plus technologiquement avancées.
Le Warp Gate qui n'est toujours pas fini de ma part, hein, donc là je suis plutôt en retard. On va avoir deux gates supplémentaires pour transformer tout ceci en trois gates. Et voilà, donc là on a la Warp Gate qui est recherchée. On a trois sentries ici qui vont venir sécuriser ce pylône et cet expand. Bon, c'est l'expand de Kundera qui a été posé, qui a déjà commencé à miner. Si on regarde les incom, Kundera qui a l'avantage, ensuite c'est le Zerg rouge, ensuite c'est moi et le Terranier. Complètement la ramasse. Il a pas fait de... Il a beaucoup moins de VCS, alors je sais pas ce qu'il fait, peut-être que c'est un joueur de... Peut-être que c'est un mauvais joueur. Une armerie qui est posée, donc là, a priori, il va partir sur du mecha, donc tank Thor. Le siège qui est fini, mais il se pose pas en siège. Ah, la... Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette erreur? Le centre de commandement qui se pose ici, qui se transforme pas en station orbitale ni en forteresse planétaire. Bon, en l'occurrence, ce serait surtout cette même station orbitale qui que les VCS sans point de ralliement. Alors là, c'est une grosse erreur. Et là, il produit plus de VCS. En plus, il a le point de ralliement sur le gaz. Alors là, j'avoue n'avoir jamais vu quelqu'un jouer comme ça, à part en Ligue de Bronze. Donc, mais ce n'est pas possible, nous sommes en Ligue d'Or, comment pourrions-nous tomber sur un Ligue Bronze? Bon, enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus plus que ça. Ici, donc, il se passe quoi? Ici, on est toujours sur Roach, on a la chambre d'évolution. Ici, on a des Zerglings qui vont venir scouter de la part de Kundera. Je me demandais ce que c'était que ce Zergling. En fait, c'est le Scantipet que j'avais à la sélection. Donc ils viennent scouter ici, on a Mass Sentry de la part de moi, donc c'est parti, je suis parti sur du Mass Sentry pour le freestyle d'aujourd'hui. Dans ce temps-là, on a des gates qui sont en train d'être popés, un complexe robotique qui va être popé. Mass Sentry, ensuite on verra pour la suite. Ici, on a du Zergling qui va bientôt être 1-1, pour le moment qui est 1-0. Moi, pour le moment, j'ai pas amélioré, je suis à 0-0, j'ai même pas posé de forge. Non. Les améliorations, c'est pour les noobs. Ici, on a des Zerglings qui viennent scouter, qui vont voir ici s'il n'y a pas de B3. Et non, il n'y a pas de B3. Pour l'instant, la B3 qui est posée par Kundera. Et là, mais regardez-moi ces VCS. Là, ils font grève ou quoi? Allez, va travailler, feignasse. Ici, on a un Overlord de Kundera. Alors, est-ce qu'il voit quelque chose avec cet Overlord? Ne voit rien. Non, il ne voit absolument rien. Donc ça ne sert à rien, mais c'est stylé. Alors là, il empile les améliorations également. Les usines sont en train de produire du Thor. Thor là. On va avoir une B3 qui va être prise. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il fait. Général, il a l'air de jouer complètement freestyle. Ouf, les Zerglings, là. Petite erreur de micro-gestion et ça part vite avec 4 chars de siège ici. Donc peut-être que Général ne joue pas très très bien avec ses 4 VCS qui glandent ici. Mais bon... 4 chars de siège, ça fait mal quand même. Mon premier Ops qui est en chemin, sur le chemin de la route, comme on dit. Masse de sentry ici. On va popper un warp prism. Donc pour faire du warp, on va popper un deuxième warp prism. Donc a priori, j'ai l'air d'être parti sur masse sentry, masse warp prism. Donc ici, on a du gaz. Voilà, on va reposer des gates. Alors oui, moi je pose des gates partout, tout le temps. Je fais comme des Terran Bioball avec les casernes, je pose des gates. On va avoir une deuxième chambre d'évolution. Pour l'instant, il est en train de chercher le plus 2 en défense. Donc là, ils sont 1-1, ils vont bientôt être 1-2. Là, on a des unités qui viennent de là. On a la B3 qui a été prise par Master. Et on a ce Prisme Transfer qui se fait attaquer donc, par une Queen, donc elle a été scoutée. Et est-ce que on a vu... Oui, on a vu qu'il y avait une B3, donc on va a priori pouvoir aller la cancel. On se voit Kundera qui rentabilise sa B3. Ici, on a des sentries, ici, on a des Zerglings. Alors, lui, sur quoi il est parti, Kundera? Je ne sais pas. Mass Spinecrawler, apparemment. Deux chambres d'évolution et la Spire qui est posée. Et là, ce drone ne va pas faire de bâtiment. Ok, mais la Spire, donc il va partir sur des unités aériennes. Et là c'est parti, j'ai warpé quelques stalkers ici pour deny cette hatch. Et en fait la hatch se construit plus vite. Et donc là je vais pas pouvoir la deny, je vais me faire juste buter gratos. Voilà, ils se font Fangirl Gross au cas où j'ai le blink. Et les stalkers qui tombent. Donc gros fail de ma part. Mais c'est pas grave, on aura l'occasion de se rattraper. Là on a cette B3 volante de la part de Général. Alors... Ah c'est bon, il les a mis au travail, par contre il a fait une forteresse planétaire ici, ce que je ne conseille pas ici, en général on met une station orbitale, surtout que là il a 4 chars de siège ici, 4, il en a pas fait plus, voilà, Thor, là, il y a un 5ème char de siège ici, il va venir prendre sa base en haut, ici, j'ai warpé des îlots en haut, on va pouvoir buter un VCS,
les Thors qui vont abattre le Warp Prism et qui vont abattre les Zealots. Alors combien de... Dans Lost,